Quoi tu as un Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Quelle folie! Womanade. Ah, j'ai ma position. ma position GTA de siège. On va ramener le siège en position petit-déj. Hop là! Ah, bonjour tout le monde. C'est Britney Beach. Ah putain, dans la notif, j'ai dit que j'avais une barbe. Donc il faut que je mette, faut que je mette ma barbe. Mais je vais petit-déj là. Attendez, j'ai pas mon col de Noël. Comment ils vont? C'est bon ça. Ah, force tout le monde quoi. Comment ils vont? Alors comment ça va? Comment vous allez? Comment que vous allez les gars, les filles? Tranquillou? Bonjour Melodo. Wesh wesh Zirel. Hello Saint-Abdoul. C'est hyper Shonken. Shoken. Chosy. Wesh, wesh, Raph. T'es encore au pieu. Repose ta voix, t'as raison. Raph, idée de chanson pour ton réveillon. Raph, le soir du réveillon, il fait un concert. Salut, 18. Il fait un concert le soir du réveillon. Hier soir, dans mon live GTA, il nous a demandé des. Il vous a demandé vos envies de chansons qu'il pourrait jouer avec son groupe. Et il est venu chanter Free From Desire sur le live. C'était un moment magnifique. Il nous a remplacé la radio de la voiture. Waouh. Ça fait plaisir. Merci Wagonly pour le sub, pour le prime. Ça régale. Pour le premier mois. Comme ça qu'on dit, je crois. Ils disent le nombre de mois, les gars. C'est quoi ça? Ah ouais, carrément, Pitbull, quoi. On est sur un pitbull, les amis. C'est pas un fond vert. À deux doigts de faire du sport en suivant ce live. Mon réveillon devient culte, c'est énorme. Ah bah oui, Raph, ton réveillon, il est culte, hein. Si vous êtes du côté de Reims, ils sont déjà 70, donc il n'y a plus de place, malheureusement. Alors, vous avez passé une bonne journée hier? Vous avez bien dormi? Il y en a qui ont fait Noël, qui n'avaient pas encore fait Noël. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? Je vous enverrai une vidéo du Free From Desire. Bon, avec plaisir. Que je puisse vérifier si tu mets pas un A de trop dans le refrain. Salut Goose! Ah bah j'aurais pas du café sur le nez? Dites pas, surtout prévenez pas. Hein. Laissez-moi passer pour un con là. Ah oui, j'ai mis ma serviette au sale. Du coup, j'ai plus de serviette. Je suis foutu. Ting. 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 Pam, 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 pam. Ça va? Le compte ne sera d'Ena sera très exact. Mon cher Aurel, pas un de plus, pas un de moins. Ouais, c'est attention. Hein. Parce qu'hier, des fois, il nous faisait nanana. Il a rajouté un nain à la fin. Vous vous rendez compte? Il a failli faire ça devant 70 personnes. Mais heureusement, je lui ai fait un petit. Je lui ai fait un petit cours de chant, quoi. Paquito Dead qui me dit un morceau de patate sur la joue. Ah, pardon. C'est pomme de terre la vraie réplique de ce film. T'as
T'as un morceau de pomme de terre sur la joue. Ah. Ça me tuait de rire quand j'étais petit. J'ai des mini moucherons avec mes plantes là. Ça rend ouf. Ils sont mini. C'est l'étape encore tolérable, mais quand même qui fait un peu peur. Donc pour la VOD, hein, y a de la musique, hein, je vous rappelle. Pour les gens qui ne comprennent pas ma choré. J'ai taché mon t-shirt. Il n'y a rien qui va. Ah. Oh putain, il y a le feu. Bonjour, c'est quoi? Ma grand-mère propose des coups de girofle dans du vinaigre blanc pour éloigner les moucherons. Ouais, mais pour les éloigner où? Dans ma chambre? C'est ça le problème. Mais j'ai déjà fait, pour les mythes, j'avais déjà fait les coups de girofle. Bah, dans mes placards de cuisine, il y a des petits trucs avec des clous de girofle dedans. Mais au final, la technique moucheron, hein, si vous en avez. Mais là, c'est différent, c'est des mini moucherons bizarres de plantes. Mais j'ai déjà eu l'été, surtout des problèmes d'invasion de moucherons. La technique la plus radicale. Ne jamais rien laisser tremper dans ma de vaisselle dans mon évier. De bouffe ou de flotte et tout machin, de l'eau qui... Voilà. Même de bouffe nulle part. Le problème quand t'as un chat, c'est que j'ai forcément de la pâtée et de l'eau toujours en permanence quelque part. Mais voilà, laisser traîner aucune bouffe, aucune vaisselle, aucune flotte. Et j'ai fini par mettre des... Comme truc chez mes grands-parents, là, des... Chez feu, mes grands-parents. Des igouigouis collants, là. Et tac, 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 tac. Et voilà. Et oui, c'est un peu de la torture animale. En parlant de mes grands-parents qui sont partis, qui sont malheureusement décédés, ça sera tous les matins, je vous, je vous montre ceci. Quand mes grands-parents, ils étaient en vie, ils ont gagné une télé à un concours. Bonjour, Crawford Bailey. Crawford Bailey, c'est mon anecdote que je raconterai tous les matins. Donc ils avaient, mes grands-parents, gagné un concours, ou je sais plus quoi, ou participé à un concours, ou gagné un concours, ou voilà, je sais pas trop quoi, mais bref, sur la photo, il y avait écrit, ou alors il fallait envoyer un truc. C'était une gentille arnaque, ou je sais pas. Je peux pas leur demander, c'est ça qui est chiant. Faudrait que je demande à mon ref, peut-être qu'il se rappelle. Le côté miroir m'empêche toujours d'en mettre les choses droites, c'est insupportable. Bonjour Speedy, je raconte l'anecdote que je raconte tous les matins. Et... sur la photo, il y avait une télé. Donc, ils disent trop bien. Ils reçoivent la télé. C'était pas une télé. Enfin, si, mais c'était une télé de déco. Mais qui fait radio. Allez, demain, j'y pense. Je mets des piles pour qu'il y ait un level up dans mon live quand je vous raconterai cette anecdote. Donc, c'est une radio. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas été vexés en mode « Bon, on s'est totalement arnaqué ». Ils ont mis une photo de leur chat dedans. Et donc ça, c'était culte. C'était chez mes grands-parents depuis que je suis tout petit, donc on adorait. Sur la cheminée et tout. Et quand ils sont partis et qu'on a vidé la maison, j'étais un peu dans une autre concentration. Du coup, j'ai rien trop récupéré. Mon ref, il l'a récupéré. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'étais extrêmement jaloux de ne pas avoir cet objet. Et il me l'a offert à Noël. Donc, meilleur cadeau de Noël. Donc voilà, moi j'ai eu ça à Noël. Une télé avec une photo du chat de mes grands-parents qui s'appelait Neige et qui était culte parce qu'elle était aveugle. C'est fou ça. Non, sourde ou aveugle? Non, sourde, elle était sourde. Je commence à... voilà. Stylé, hein. Et du coup, elle était sourde. Donc, ce qui fait qu'elle était très détendue dans la vie.
connaissez les chats, des fois qu'ils font. Bah jamais, Neige, le chat de mes grands-parents, n'a fait ça. Voilà, c'était le chat culte aveugle de mes grands-parents et qui était dans une télé miniature. Voilà pour l'anecdote du matin. Mais je vous rajoute un des petits éléments en plus chaque matin quand même. Hein. J'améliore le storytelling. Connaissez ça? C'est Beyoncé. Ça serait un blaze ici, je dirais. Merci Beyoncé pour le Prime. Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé, c'est ça. Putain, là, on est sur du très très lourd. Ah, il y a toujours les touches de GTA. On a bien rigolé à GTA hier soir. On a bien rigolé à GTA. On a bien rigolé à GTA. On a bien rigolé à GTA. GTA, on a bien rigolé à GTA. On a rigolé à GTA. À GTA. On a rigolé à GTA. Qu'un jour, on s'unira. Quel tube ? Je te perche que la porte qui te conduira vers moi. Ah putain, mais encore une fois, la VOD va être ridicule. Déjà, là, bon, on surfe avec le ridicule. Gros ambiancement. Hein. Dans mon cœur. Je ne pouvais pas savoir. Tu m'as donné un jour au moins on jouerait à GTA. Ouais, pour ceux qui sont pas là le soir, des bars, hein, des grosses bars. Non, j'avoue, hier, putain, plus j'ai joué 1000 ans, je me suis même pas rendu compte. Mais le matin, ce que j'aime bien, c'est que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous. Oula. Fucking moucheron. Mais la vibe du soir, GTA. Il y a un délire qui est quand même assez coolos. Je vous invite à nous rejoindre le soir. Tout de suite. J'ai pas vu les infos ce matin, là. Enfin, à part les trucs horribles. Et le fait que les gens continuent de mourir en masse en Palestine, genre normal. Mais sinon, j'ai pas vu de bail. Bon, de toute façon, c'est que des trucs horribles, hein. Mais heureusement, il y a Leslie et Amine pour nous régaler. Que la porte qui te conduira vers... La suivante va être décevante. La suivante va être décevante. Les huîtres du bassin d'Arcachon temporairement interdites à la vente. C'est une vraie info, ça. Ok, d'accord. Mais pourquoi ? Putain, est-ce que la mer est polluée ? Ou l'océan ? Je sais pas, moi je sais pas ce que... Pas mal. Moins l'ambiancement, mais pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec les huîtres ? Cas d'intox alimentaire. Ah ouais, c'est un délire. Moi, je vous avoue, ça me touche peu. J'essaye, hein, les huîtres. Hein. Pas tous les ans. Il y a des trucs que j'essaye tous les ans. Les huîtres, non. J'essaye tous les 8 ans. Mais vraiment, pour être sûr, mais... Bah oui, de toute façon, on sait que c'est le truc qui divise le plus, quoi. Les huîtres. Tout le monde se retrouve soit dégueu, soit en mode... Oh, mais les huîtres, mais c'est fou. Quelle folie, les huîtres.
Mais ouais, il n'y a rien qui va dans les huîtres pour moi. Enfin, c'est très rebutant quand même. Et après, enfin de base, je veux dire la texture, la gueule du truc et tout. Donc faut vraiment se détendre. Mais bon, c'est comme tout, hein. J'imagine, c'est comme les clubs, quoi. Au début, c'est horrible. Et après, c'est incroyable. Ce live est sponsorisé par... Attendez, j'ai oublié de mettre le logo Marlboro. Hop. Ah merde, c'est El Gato. Bon, ça va. Ça sonne pareil. J'ai mangé 2 huîtres cette année. Je suis fier de moi. C'est dans mon top 1 des trucs les plus dégueux. Là, c'est un peu remonté. Mais c'est pas mon délire non plus. Ah, ça commence à... It's growing on you, alors. Ça grow on you. Ça monte. Une revue de presse avec que « Ah ouais » en commentaire, le « Ah ouais, show morning ». Ah ouais. Donnez-moi une autre info que je réagisse. Ah ouais. Bonne DA de revue de presse. J'essaierai de rendre honneur à ta... à ton commentaire de mon commentaire. Pam, 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 pam. Ce que j'ai hâte aussi sur Twitch, c'est de prendre le temps de... Parce que du coup, là, ce qui est bien, c'est quand je stream, bah, au moins je stream. Tu sais, j'ai pas le choix. Mais je vous cache pas qu'à côté, du coup, je prépare d'autres bails. Et du coup, je prépare pas mes streams, mais même, tu sais, même les fonctionnalités, le Discord, aller parler avec les modos, capter un peu comment ça fonctionne, préparer des... Comment on dit ? Des commandes là dans le chat, c'est vous tapez un truc et ça donne des infos sur des trucs. Enfin voilà quoi, préparer un peu les bails, utiliser un peu les fonctionnalités. Je fais pas du tout là, et ça me frustre un peu. Mais j'avance pas assez sur. Là, je prépare le gauche gauche droite droite pour ma chaîne YouTube. Enfin, faut que je monte le teaser où j'annonce la ville. Le teaser YouTube et le teaser Insta. Où on annonce le jour et la ville. Le jour, ce sera le 13 janvier, le samedi 13 janvier, où on va venir faire un gauche-gauche-droite-droite dans une grande ville de France. Je vous annonce pas la ville ici, parce qu'il faudra regarder les teasers. Et il faut que, voilà, que je monte ce truc-là, que je prépare... Que je prépare... que j'écrive la vidéo, que je prépare toute la prod et toute l'orga et tout le machin. C'est un bordel, là. Pam, 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 pam. Je peux faire un gauche-gauche-droite-droite dans GTA. Donc, c'est tout à fait vrai, ça. Je vais le noter aussi. Gauche, gauche, droite, droite dans GTA. Gauche, gauche, droite, droite dans GTA. Gauche, gauche, droite, droite dans GTA. Marrant. Tin, 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 tin. Et ouais, hier, c'était très marrant le live. Mais après, c'est pareil. Moi, j'aimerais bien aussi, même des fois, sortir des petits... Parce que là, ça va être compliqué, je crois, de faire des best of YouTube. Ça me coûte trop cher et tout ça. Et moi, j'ai pas le temps de le faire. Donc, peut-être poster des VOD. Peut-être là, effectivement, juste isoler les moments, les tous mes 3 lives GTA, par exemple. Et puis juste poster les VOD sur une chaîne dédiée YouTube. Mais faire des petits remontages TikTok Reel, là. Ça, quand même, ça me chauffe un peu sur des moments un peu marrants. Genre hier, le bail du chien, là, pour ceux qui étaient là. Mais ça, c'est pareil. Elle va faire trop de bruit. Un truc plus calme. C'est plus calme. Parce que j'ai mal au crâne, pour pas vous mentir. Et ça, ouais, je ferais bien, mais ça... faut être réactif, quoi. Et ça, je me dis... parce qu'en fait, là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir bosser avec des monteurs sur des bails de Twitch, mais c'est ce que je fais... C'est ce que j'arrive pas à faire sur YouTube. Et j'aimerais bien sur Twitch réussir à bosser avec des monteurs. Et si je commence à moi monter des reels, après quand les monteurs ils vont me faire des trucs, je vais dire non mais ça va pas, faut que ça soit la même DA, faut que ça soit rythmé pareil, faut que ça soit... Et ça va me refoutre dedans quoi. Mais en même temps j'ai un peu envie. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut savoir écouter les envies. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai envie de faire ça. Parce que c'est pas le move le plus rentable financièrement pour moi de venir sur Twitch. Ce serait bien évidemment plutôt de faire plein de vidéos YouTube vu que c'est là que j'ai... Des abonnés et des partenariats. Mais bon, faut écouter son cœur. Faut écouter son cœur, les gars. Enfin, jusqu'à ce que... Sauf quand j'aurai plus d'argent pour payer mon loyer, là, je pourrais plus juste écouter mon cœur. Mais
Là, je peux me permettre d'écouter mon cœur encore un petit peu. Bien le bonjour, every time, my dear. Bon café à toi. Fais à gauche, gauche, droite, droite dans Mario Kart tout à l'heure pour qu'on gagne, s'il te plaît. C'est vrai qu'il pourrait quand même faire un circuit spécial pour moi, quoi. J'ai quand même un tatouage circuit Yoshi, il pourrait me faire un circuit gauche, gauche, droite, droite. Mais où c'est tout le temps ça, quoi. Gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite. Quand même, quoi, les gars. Miyamoto, tu m'entends ? Ouais, mais c'est Monsieur Speedy, monter les shorts. Ouais, mais tu sais, moi, je suis tellement... Ça fait 20 ans que je fais du montage, je suis extrêmement exigeant. Et je bosse avec des monteurs très expérimentés et ça me convient déjà pas. Donc j'avoue, l'essayer avec... Enfin voilà, pardon, j'espère que tu le prendras pas personnellement, mais... Voilà. Quand je tente le coup avec des gars, des frappes déjà, dont je connais un peu le taf, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? 29 minutes. Ah, on avait dit que c'est ça le timing, c'est que j'essayais de pas faire plus de 29, de 30 minutes avant de lancer Hélène et les garçons. Donc là, je pense que si je veux respecter le truc, il faut que je respecte le truc. Alors, qu'est-ce qui se passait dans Bonjour Postic ? Ah bah, t'arrives au bon moment, Postic. I18 qui dit José est parti. Arrête de remuer le couteau, je sais que José il est parti, bordel. Tu nous fais du mal. Mais dans Hélène et les garçons, il est encore là pendant 32 ans, donc on a un peu de marge. Tout à fait, Postic, on lance Hélène. Regarde, José, il est encore là. On lance Hélène, on va juste refaire un petit reminder de ce qui s'est passé hier. Ah oui, c'était une Anglaise à caser. Ok. Donc, Big Flo. Attends, on va mettre une scène où elle a sa casquette quand même. Dans le bon sens, si possible, voilà. Big Flo. Il y a combien d'épisodes d'Hélène et les garçons ? Oula, si on compte toutes les séries cumulées, il y en a 1000. On a de la marge. Et Hélène et les garçons, la première série en tant que telle, je crois qu'il y en a 250, un truc comme ça. Big Flo avec sa casquette là en avait marre du comportement de Christian cri-cri d'amour qui une fois de trop a fait de la merde avec une Anglaise et du coup elle a dit, il a dit je vous aime toutes les deux. C'est quoi déjà ça? Juanes. Ok Juanes. Et du coup elle a dit je rentre à Toulouse car je suis Big Flo, pour produire l'album de mon père, car il a un chapeau. Et du coup, Christian, et donc tout le monde était dévasté, et ils ont tous fait des nuits blanches. Les filles pour profiter de Big Flo avant qu'elle quitte le pays, et les garçons parce qu'ils étaient perturbés par le départ de Big Flo. Et ils disaient, mais il se rend pas compte, Christian, que Big Flo, il s'en va, quoi. Attends, non, je confonds, c'était l'épisode d'avant, ça. Ah putain, je suis fatigué. Ouais, ça c'était l'épisode d'avant. Donc là, ils font tous des nuits blanches en mode « Mais Johanna, tu vas tellement nous manquer. » Et les gars, ils se lèvent en pleine nuit, ils se disent « Mais Christian, tu te rends pas compte que Big Flo, il veut partir. » Pardon, j'ai dit Johanna, c'est Big Flo. Et du coup, ils se disent « Mais comment on va faire ?» et tout. Donc personne dort cette nuit-là, même Nathalie Lapeste. Et Christian, il se réveille tout seul la nuit. Il éteint la lumière, ça a éteint la lumière de toute la pièce. Quand même incroyable. Et ils finissent par... tout le monde se retrouve au garage en pleine nuit. Donc c'était vraiment l'épisode qui se passe de nuit. C'était historique, quoi. Et ils finissent par dire à Christian, écoute, Johanna, elle prend l'avion demain matin. Il dit, c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Et là, comme d'une bonne relation saine, du coup, bah, il va dans la chambre des filles. Les filles disent, ne laissez pas Christian avec moi toute seule, s'il vous plaît. Il m'énerve, il est trop toxique. Elles disent, si, on te laisse toute seule avec lui. Donc elles partent. Christian se met à genoux. Et il lui dit qu'il l'aime. Et du coup, c'est ça qu'il faut pour les femmes. Un mec toxique qui se réveille que quand les meufs sont dans le coma ou quand elles menacent de quitter le pays, enfin de retourner à Toulouse. Et ensuite, il vient devant les autres et il lui dit qu'il l'aime devant tout le monde. Donc c'est une preuve que c'est un bon gars, non. Et du coup, elle dit « Ok, d'accord, c'est bon, c'est pardonné. » Donc voilà, on était tous bien consternés.
Mais bon, ça fait quand même plaisir que Big Flo ne parte pas, ne rentre pas à Toulouse. C'est un peu salaud pour son père. Attends, c'était quoi la vanne? Quelqu'un avait fait la vanne. Oui, c'est ça. Et à la fin, ils arrivent ensemble au. Ils arrivent ensemble au. Ah, ça, c'était un flashback. Ils arrivent ensemble au. à la cafette. Et vous pourrez noter que Big Flo, du coup, en hommage quand même à son père, porte le chapeau de son père. Et ça, c'est un acteur que nous avons retrouvé. Incroyable. Stéphane, c'est ça? Et donc le petit jeu du tous les jours, avant-hier Postic avait retrouvé l'identité d'un des comédiens secondaires de l'épisode. Et hier il l'a pas retrouvé, mais nous on l'a retrouvé et il est devenu hypnothérapeute, je crois. Et il y avait des vidéos où il essayait de m'hypnotiser en me disant de l'appeler, il y avait son numéro et tout. Donc on a failli l'appeler, mais non, on s'est dit quand même que c'était un peu intrusif, surtout de l'appeler en live. Mais on va voir son petit nom. On l'a bien retrouvé, parce que des fois on retrouve pas du tout les gars. Stéphane Ridnick. Donc si vous voulez vous faire hypnothérapie, Stéphane Ridnick vous attend. Dans ses vidéos Facebook, il dit 57 fois « Appelez-moi ». Et dans l'épisode d'après, plutôt que de se dire... Putain, j'ai peur. Oh quoi. Donc l'après-dit, c'est que oui. Hein. C'est que oui. C'est que oui. C'est que oui. Comment je fais déjà pour voir les bails de prédit? Le petit rond. Tac. Il y a 21 000 points de chaîne mis en jeu. Et il y a 13 000 points de chaîne qui vont partir. Hein. Même plus que ça. Parce qu'il y a 16 000 points de chaîne qui vont partir. C'est le oui qui l'emporte. Félicitations à ceux qui avaient dit oui. J'adore quand t'es fou. C'est dur, hein, c'était dur, on va pas se mentir. Là, le Gédéon, il fait vraiment très mal. Le Gédéon, il fait vraiment très très mal. C'est de se remettre un peu de nos émotions. Ouh. Bah, ça m'a fatigué, hein. Moi qui avais déjà mal au crâne. Là, j'avoue, ce deuxième épisode, il m'a fait mal à la tête. C'était très compliqué tout ça. Mais bon, ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est que Gédéon, c'est un gros bebou, il boit le bebou, il fait ça parce que c'est un gros bébé. Parce que là, il est en train de baiser la life de Nico et d'Hélène. À côté de ça, c'est un énorme forceur avec Hélène. Et à côté de ça, je vous rappelle qu'il a espionné Béné dans sa salle de bain, le gros bébé. Il a ouvert un petit peu la porte pour voir Béné dans la salle de bain. Et tout le monde a trouvé ça trop rigolo parce que c'est un gros bébé. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir du live de ce matin. Gédéon, c'est un gros bébé. Ce qu'il faut retenir, c'est que qui va gagner Mario Kart. Attends, on sait pas si Sid il est là ou pas, quoi. Bon, non, mais Sid il est pas là cette semaine. Puis le mardi, j'ai dit, t'es dans le coin? Il m'a juste répondu, non, je suis pas dans le coin. Rien, t'es. Ouais, c'est bon. Même pas sympa. Donc, je vais pas me reprendre une crampe. Inconsciemment, c'était pour pas que je le harcèle et que je lui demande tous les jours, bah ok, je te harcèle pas, Sid. Et ben, on va jouer sans toi. J'ai pas le droit d'être vexé? Il y a des gens qui étaient là hier quand j'ai lancé la raid. C'était quoi, sur Encre Mécanique, c'est ça? Parce que vous m'avez fait honte. Je tenais à vous le dire. Vous m'avez fait honte. Encre Mécanique, c'est ça. Alors, Mario Kart. Donc, ouais, ceux qui n'ont jamais joué au tournoi, il va y avoir un code que vous pouvez rentrer pour nous rejoindre. On va faire 4 courses de Mario Kart. On va faire 4 courses de Mario Kart et il va y avoir un code qui va vous permettre de nous rejoindre. Tac, tac. Qui va vous permettre de nous rejoindre. New York. Faut juste que je me décale. Eh ben dis donc, on voit un petit bout de mon plafond vert. Pam pam pam. Pam pam pam.
Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ah merde, j'ai pas coupé le Deezer. Je peux, du coup, comme j'ai mis l'écran en jeu vidéo, je peux plus le faire. Oh putain. Bon, faut que je rechange mon... Ah pardon, je crée le nom du groupe. Attends, je vais d'abord vous laisser le noter. Oh, mais c'est un nouvel ami, ça. Ah bah non, parce que sinon, il pourrait pas déjà être là. C'est quelqu'un qui m'a ajouté à ses amis. Ah bah non, c'est I18, t'as changé ton mi, I18. T'es pas censé avoir un chignon? Non, je confonds. Est-ce que gentiment quelqu'un veut bien j'ai adapté mon mi à ma gueule actuelle. Ok, ça c'est Tito qui arrive à gauche, à droite pardon, à gauche c'est quoi, c'est Goose. Dites des trucs qu'on voit vos blazes. Smirn, il a mis un bonnet, c'est ça? C'est Tito, c'est ça. C'est dur à retenir. Smirn, il a mis un bonnet. Bonjour mademoiselle. C'est Raph. Ah, c'est Raph le chanteur. Raph le chanteur. Donc c'est pas Goose. Destiel 4, très bien. Bienvenue à toi. On a déjà joué avec toi, Diestel. Messaïra qui dit j'essaye d'arriver. Ouais, ça update les mi. Bah ouais, comme on les voit dans le post. Il y a Goose, ok, qui est là, très bien. Genre Crary, tu joues au gyroscope I18. Ah, il y a du monde, c'est cool. Et il y a le monsieur en bleu avec la petite barbe qui nous a rejoint. Ouais, tu peux faire une prédit. Aurel va-t-il finir premier, ouais. Putain, mais il y a plein de monde là, c'est trop bien. Thibaut, ok. Est-ce que quelqu'un veut bien les modos, s'il vous plaît, vous voulez bien prendre le code et... On est trop nombreux. C'est trop bien. Et veut bien l'épingler dans le chat. Comme ça, dès que vous avez fait ça, je peux virer la musique. Mais il faut que je change mon... Ah, c'est fait? Ok, cool. Merde, j'ai tout éteint. Merde, j'ai tout éteint. Je suis en galère. On va y avoir du rififi, là. J'arrive, je galère. Display prot, ok. Tac. Na, 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 na. Donc là, avec tous ces joueurs, il y a peu de chances que je gagne. Je dis pas ça pour influencer la prédit. Mais on est trop nombreux, on va être que des... C'est trop bien. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a aucun bot. C'est incroyable. On est 12. C'est fou. On est 12. Vous vous rendez compte? C'est un plaisir. Alors, on reste... Bon, hier, on a fait du explosif. Je crois que c'était pas trop mal. Là, j'ai vu personne dans le chat dire... ah non, pas explosif ce matin. Donc, c'est que je pense que vous avez bien aimé. IA normal, bah, on s'en branle, il n'y en aura pas. Mais on va le laisser. Et du coup, 4 courses. Bon, bah, quel plaisir. Est-ce que la prédit est lancée? J'ai pas joué depuis un an, je crois. Bah, écoute, ça va être... On va se régaler. Ça va schlack pam à fond. Donc Sid, il est pas là, Vivi, hein. Et toi non plus. On est d'accord. De toute façon, il n'y a plus de place. J'ai envie de dire. Mais il nous manque, le petit Sid. Donc dans les mecs avec qui on a déjà joué qui sont chauds, là, il y a qui? Il y a Smirn qui est là, qui est chaud. Parce que j'ai pas vu Orient, j'ai pas vu Fatih. Et il y a I18 aussi qui est chaud. Donc, en tout cas, il y en a peut-être d'autres, hein, mais de ceux que je connais. Alors pour les nouveaux qui rejoignent, moi j'essaye de toujours choisir de manière aléatoire le circuit. Oh oui, vous faites trop plaisir. Je banne toutes celles et ceux qui carapacent. Il faut que j'aille voir quand même la prédit ce que ça donne. Début des prédits. Ah, il vous reste 4 minutes pour voter. Pour l'instant, donc c'est Aurel sera premier en fin de compétition. Bien sûr, 5%, impossible, 95%. Bande de salauds. Mais c'est fou, on est 12, c'est un plaisir. Regardez comme on est beau. On n'est pas magnifique? C'est magnifique. C'est magnifique. Par ailleurs, dans suggestions sur le Discord, j'ai demandé votre aide pour un bingo Hélène Viendé. Ouais, c'est pas con ça.
Bonne idée, merci. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais il faut qu'on le fasse à un moment donné. Let's go! Ah merde, c'est pas circuit Yoshi, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'est très beau circuit, j'adore, il fait beau et tout. Ça rappelle le circuit Yoshi, mais je ne connais pas cette course. Faut que je monte le son de la console. Mon casque. Vas-y, 18, reste-toi. Qui a fait ça? On plante? Je ne connais pas ce circuit, la preuve, je me prends des arbres. Oh là là, c'est une cata. C'est une catastrophe. Pour vous, le son de la console, ça va ou pas? Sur Twitch. Parce que ça, c'est le truc sur lequel, c'est l'un des derniers trucs sur lesquels je galère, j'ai pas la main. Je pense que là, je peux le monter dans mon casque, mais je pourrais pas le monter pour vous. Non, mais nique pas des rouges à un gars. Allez, c'est chaud. N'hésitez pas à me dire pour le son, histoire que... Mais oui, je pense que j'ai pas la main là, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Aurel? Qu'est-ce qu'il va faire le Aurel pour l'instant? Et Smyrne, tu crois que je t'ai pas vu là? Smyrneur, va. Je croyais que t'étais off today. C'est un jeu de mots sur Smyrne. Wouah! 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 Oh, j'ai raté le but. Bon. On va prendre deux risques. Oh non, mais quel enfoiré! Comment la fin, je sais même pas comment ça. Ah bah Tito il est chaud hein. Donc le son de la console pour vous, vous dites quoi? Vous êtes hyper, ouais c'est ok, je t'ai négocié un petit raid. Aux oignons, tu m'as négocié un petit raid? On a été raidé? C'est quoi ce bruit? C'est un raid? On a été raidé, c'est ça? 58 personnes qui viennent d'arriver, bah bienvenue à vous, vous arrivez sur le petit tournoi classique de ma fin de matinée. Magnifique, magnifique, bienvenue à vous, vous allez assister. Nous sommes avec 11 viewers qui nous ont rejoints. Mon but dans la vie, c'est de faire Circuit Yoshi. Merci beaucoup ceux qui votent Circuit Yoshi. Car c'est la seule course que je maîtrise, car elle est tatouée sur mon bras, donc je peux pendant la course tricher et vérifier les trajectoires, ce qui est quand même un très bon move. Bonjour à tous, ça fait plaisir en tout cas. Je m'appelle Aurélien Prévost, ça fait un mois que je suis sur Twitch. De base, je suis connu pour mes aventures sur YouTube, notamment l'émission Il fait tout noir, dans laquelle je vais chez une personnalité accompagnée d'un ami de cette personne. Pour que cette personnalité nous prouve qu'elle est bien chez elle, elle nous refait sa morning routine les yeux bandés. Voilà mon fait d'arme principal. Sinon, je suis hyper sympa. Et en ce moment, le soir, je Twitch du GTA et on rigole comme des petits foufous. Vous m'avez fait rater mon départ avec votre aide. Mais je vous en veux pas, vous êtes super. Et le matin, on se fait une petite matinale. On petit déjeune ensemble. Après, on regarde Hélène et les garçons, sitcom culte des années 90, qui n'est pas du tout problématique. Et ensuite, on finit la matinale avec un petit tournoi de Mario Kart avec les viewers. Et on se régale. Et là, la prédit du jour... 90 personnes pensent que je ne vais pas gagner ce tournoi. 10 personnes pensent que je vais gagner ce tournoi. Et pour l'instant, j'ai fini 3ème à la première course. Donc c'est extrêmement moyennement engagé. Mais j'ai monté un peu le son, donc là je suis plus dedans. Normalement je vais plier ça. Mais c'est fou qu'on soit que des viewers là. Ça régale. Ta-da-da-da. On va couper par là. On va garder la rouge. Et bah alors Smyrne. On va tirer sur Smyrne. Oh oui, vous avez vu, j'ai tiré sur Smyrne.
J'avais mis un rétro Smyrne, t'inquiète pas. Enfin, je veux dire, t'inquiète pas, je t'ai pas tiré dessus en vain, quoi. Ça valait le coup, les gens, ça a fait du bon spectacle. Ça mérite un prime, je pense, normalement, pour le tirage sur Smyrne. Alors, on va essayer de prendre le petit double. Oh, je l'ai raté. Moi, là, je suis cuit. Voilà, ça, c'était la fin. C'est la fin. Bravo à ceux qui avaient prédit. Je n'ai pas de protec. Je suis foutu. Et là, en plus, je donne des infos. C'est ça, le pire. Je donne des infos à mes coéquipiers. Ce qui est vraiment pas le meilleur move. Vous entendez les miaou de mon chat? Enfin, je pense qu'elle savait pas miauler quand je l'ai adopté. Vous êtes vraiment des salauds! On sent que les autres pas compétiteurs, ils ont. Les autres compétiteurs, la prochaine fois, votez pour le fait que je vais gagner. Comme ça, ça vous donnera envie de pas me tuer pendant la partie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, petit tips. Petit tips que je vous donne. Smyrne, tu peux pas me repasser devant là, je mérite pas terre, je t'ai mis une verte en arrière, c'était magnifique. Ou une rouge même. J'ai fait quoi? J'ai fait 4ème la première course, 2ème la première course? Ah bah quelqu'un a gentiment pour les Raiders mis le lien de ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous vous sentez bien au chaud à la maison, n'hésitez pas à follow, à sub bien évidemment, je connais les termes. Et voilà, j'espère que vous appréciez de nous voir. Il fait beau, c'est ça que j'aime bien les courses de Mario Kart, il fait beau. Donc j'apprécie que... Mais tu veux venir dire bonjour aux Raiders? J'ai un chat, c'est aussi ma caractéristique. Une de mes caractéristiques premières. Qui fait des roulades dans mes stories Insta. C'est un gros bébé ça. C'est un gros bébé ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Smyrne, t'es nul ce matin. Putain, j'ai même pas regardé les points. C'est quoi les points les amis? C'est quoi le général? Putain, c'est chiant ça va trop vite à chaque fois. Moi j'espère que je suis peut-être troisième, deuxième ça serait bien parce que ça... Ah putain mais vous êtes trop adorable de prendre Circuit Yoshi. J'avoue ça serait cool pour... Oh! Merde je vois pas la notif. Ça serait trop bien qu'on... Oh putain... Si on fait pas une seule fois Circuit Yoshi, merci Iri pour le Prime, ça fait plaisir. Ouais, il y a des études selon lesquelles les chats miaulent que pour les humains. Bah ouais, je vous dis au début, elle miaulait pas. Non, monte pas sur le bureau s'il te plaît, tu vas marcher sur le clavier, tu vas quitter le live. J'espère que la dernière, ça sera Circuit Yoshi. S'il vous plaît, faites-moi plaisir pour la dernière. On met tous Circuit Yoshi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça ou un train de live. Comme vous préférez. Il faut qu'on finisse ce live en beauté, quoi. Merci Smyrne, en tout cas, de... Non, le chat, de pas être fort ce matin. Ça régale. Vous voyez, 18 devant, bah je vais lui tirer dessus, mais dans les airs. Ah, presque. Ça aurait été magnifique. Merde. Très mauvais move de la part de Aurel, du joueur français. Mais qui récolte des pièces, car I18 lui laisse toutes les pièces. C'est un amour, ce I18. On va garder de la petite protec. Ah, il y a le Smyrne qui est là. Ça Smyrne. En mode Smyrne, le Smyrne. Smyrne et I18 qui sont devant. On les connaît. C'est des zigotos. Toujours la même zigotade. On va refaire le coup. Oh, je me suis fait voler mes pots de banane. Ne gâche pas ta roue sur moi, Smyrne. Ça sert à rien. Oula, il y a plein de rouges là. Il y a Tito qui arrive avec de la rouge en pagaille. Vas-y Tito, tu peux cartonner Smyrne là, il a qu'une protec. Cartonnez-vous là. Ils cartonnent pas les mecs. Ah Tito, il a un klaxon. Ce qui pour un premier est pas mal. Pas se mentir. Allez, lâchez-lui une bleue là. Tito. Eh Tito, t'es chaud non? T'as déjà fini premier à une course. Ah merde, il va passer la ligne, bâtard. Pas loin. Pas loin. Alors attendez, parce qu'il faut qu'on regarde le classement. Il reste plus qu'une course.
Est-ce qu'il va y avoir une dernière course décisive? Moi, je dois pas être loin de la première place, mais... Oh putain! Tito, il me... Oh Tito! J'étais prom, c'est ex-aequo avec toi! Ah ouais, Smyrne, ça va pas du tout aujourd'hui. Donc là, t'as 3 points de plus que moi, Tito. On était ex-aequo, t'as gagné. Et du coup, t'es passé devant moi. Donc là, il faut que je sois devant toi. Mais je crois que si je suis genre 4ème et que t'es 5ème, ça marche pas. Parce qu'il y a plus de points sur la première place. Donc je crois qu'il faut absolument que je sois premier. En fait, il faut que je sois premier. Je peux... S'il vous plaît, prenez tout circuit Yoshi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez tout circuit Yoshi, s'il vous plaît, pour mettre de l'enjeu. Ah, vous êtes adorable. Vous avez pas... Il y a quand même des petits saligots. Mais vous êtes adorable. En plus, t'as voté non. Oh, putain, je vais le détruire. Ah, tu vas détruire quoi, Tito? Ah oui, non, pas d'acharnement sur Tito. Pas obligé de faire ce que je dis. Hein. Ah, tu t'es trompé de Yoshi. Oh, mais non, c'est pas Yoshi, c'est Pays Crépuscule. Oh, je suis cuit. Tito, il y a ton bébé qui pleure, je crois. Il y a ton bébé qui pleure. T'as pas de bébé? Bah, il y a un bébé qui pleure. C'est encore plus inquiétant sur le pas de ta porte. Donc, faut que t'ailles voir. On t'attend. Démarrez pas. Démarrez. Oh, je fais même pas d'accélération, canon. Tito, il y a un bébé qui pleure. Il fait la course. Magnifique course, toutefois. Faut quand même le dire. Quand même une magnifique. Qui a fait ça? Je croyais qu'on devait s'acharner sur Tito. Ah non, pardon, pas d'acharnement sur Tito. Hein. Je compte sur vous. Ah, oh, je la connais pas. Vous me prenez les doutes devant moi. C'est une catastrophe. Franchement, vous auriez mis bien les peu de gens qui ont voté sur ma victoire. Vous les auriez mis bien. Tito, il y a des pleurs. Hein. Vraiment, hein, c'est inquiétant. Hein. Non-assistance à bébé en danger, là. Allez, on peut faire quelque chose. C'est Mario Kart, on peut faire un truc. Rien n'est perdu, les amis. Rien n'est perdu. Regardez, hop. 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 On peut faire un bail. Alors, Tito. Ah, je l'ai raté. Ah non, c'est bon. Allez, on peut faire un bail, les amis. Je sais que vous comptez tous sur moi. Pas les gens qui ont fait les prédictions, mais les gens... Ah, dommage. Mais les gens qui nous regardent à la maison... Bah, vas-y, volez-moi ma protec, y'a pas de soucis. Et vas-y, Aurel, dis l'info, donne l'info que t'as pas de protec, y'a pas de soucis. C'est très bon move, ça. Le gars premier, si tu me laisses... Oh, Smyrne, ça se fait pas, ce que tu viens de faire. Tire dessus. Smyrne, attaque-le, je t'en supplie, t'es derrière, toi, on s'en fout. Il me tire dessus, Smyrne. Non, mais Smyrne, c'est ce que tu viens de faire, Smyrne. C'est scandaleux. Non, sur la ligne, c'est un scandale. Tito, il m'a doublé sur la ligne à cause de cette putain de bleue. Alors que j'aurais pu la dodge avec mon champ, mais je pensais que pas qu'elle m'atteindrait. Et c'est toi la bleue, c'est Tito la bleue. Ah c'est magnifique ce que tu viens de... Ton move là est magnifique, Tito. Ah oh, putain. Et Smyrne, t'as tiré 3 rouges en arrière sur moi. Hein. Je vous tiens à le préciser quand même. Je suis vraiment ton ennemi quoi. Oh my god, cette fin c'était épique. Bon bah en même temps c'était du très beau spectacle. Ah oh, putain. J'ai tout donné les gars pour la prédit. Hein. J'ai tout donné. Hein. Oh là 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 là. C'est fou. Donc là, il y a du point de chaîne qui va partir. Ouais, bah, c'était ce que vous aviez... Ouais, ouais, pas trop risqué, cette histoire. Putain, à deux doigts, je passais devant Watt, là. Ah, fou, t'étais off aujourd'hui. Ouais, t'étais off, sauf quand tu m'as tiré 3 rouges en arrière, en pleine tête. Saligo, va. Mais c'était un plaisir, en tout cas. Trop bien qu'on ait été que des vrais gens. Vu que le monde va être dirigé par les IA, bah au moins ça fait plaisir de reprendre un peu la main sur le kiff. Le kiff sans IA. Ouais, bon, bref. Je vous laisse vous trouver des excuses dans le chat. Bravo à tous, en tout cas, c'était magnifique. Magnifique petit tournoi. Non, mais c'est cool, c'est marrant. Bon, bah les amis, c'était trop bien.
j'ai pas le temps derrière d'aller regarder le live, donc je vais pas raid quelqu'un parce qu'après les gens ils me parlent et ils disent ah ouais tu raid, t'es pas là, comme hier où j'ai raid quelqu'un que je ne connaissais pas. Et ensuite, les gens du chat, ils étaient en mode « Ah, tu connais pas Aurel ? Il est trop triste que tu le connaisses pas. » Jamais de la vie, je sais même pas qui c'était ce gars. Vous m'avez affiché, quoi. Et du coup, le gars était gêné et s'est senti obligé d'aller se renseigner sur moi, comme si j'étais une star. Vous êtes fous, quoi. Donc, plus jamais vous me faites ça. Hein. Quand je raid un gars, vous allez pas lui dire « Ah, tu le connais pas et tout, il est deg. » Merci. Hein. Qui a dit ça hier ? Attends, j'ai noté qui a dit ça pour lui dire aujourd'hui. Mais ça va pas, frère. C'est... Qui a dit ça hier ? C'est Etim. T'es pas là, Etim. Tu m'as bien foutu la honte, Etim. T'as bien gêné un gars pour rien. Voilà. Donc, du coup, c'est fini. Plus jamais de raid. J'arrête Twitch. Non, mais en vrai, gros bisous. C'était trop cool ce matin. J'espère restreamer au plus vite du GTA. Mais en vrai, j'ai beaucoup de taf. Mais si j'arrive à bien avancer, peut-être que... Là, on est quoi, le truc, machin ? Peut-être que... Ouais, ce soir ou demain soir, je pense que je vais me refaire une session GTA parce que j'ai trop kiffé hier. J'ai juste de remettre mon écran. Ouais, j'ai trop kiffé hier, c'était trop cool. C'est trop des barres. Un jour, je comprendrai les boutons de cet écran. Tu sais, il y a des boutons à l'arrière et... J'appuie, j'attends de voir ce qui m'affiche. Ah, c'est bon. Trop cool en tout cas. Voilà, la bise à vous. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Non, il en fait des caisses, mais il s'en fout en vrai. Non, mais vous étiez en mode... bon, bref, parce que vous avez mal interprété un truc que j'ai dit avant. Et, bon, bref. Vous m'avez foutu la honte. Mais pas tous, hein. Parce qu'après, vous y en avez qui ont expliqué qui j'étais, et tout ça, et qui ont envoyé des liens de ma chaîne, et tout ça. Et puis, a priori, il aime bien le genre de trucs que je pourrais faire, donc tout va bien. Mais j'étais quand même un peu gêné, quoi. Surtout qu'à la base, je voulais juste me casser parce qu'il était tard. Et du coup, je suis un peu resté parce que j'étais gêné. Et je me sentais responsable de ce qui se passait. Mais c'était super, c'était incroyable. Gros bisous à tous en tout cas, joyeux Noël encore à ceux qui le souhaitent, bonne fête de fin d'année. On se retrouve demain, on est vendredi, pour le dernier live de Noël. C'est ça qui incarne le live de Noël. Et puis voilà.